Elle ne s'en cache pas. Ce samedi 25 mars, Julia Vignali était l'invitée d'Éric Dussard et Jade dans l'émission de RTL, On refait la télé. Au cours de l'échange, la compagne de Cadmerade, qui a récemment rembarré Anne-Elisabeth Lemoine, a été interrogée sur ses divers projets professionnels et plus précisément sur son prochain rôle dans Pamela Rose, une mini-série de Canal+ adaptée des films de Cadet Olivier. Vous imaginez ce que les gens vont dire, elle a été pistonnée par son mari, Cad, a ainsi fait remarquer Éric Dussard. Sans langue de bois, la comédienne a répondu, oui, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai évidemment été pistonnée. Consciente de la chance qu'elle a eue pour obtenir cette opportunité, Julia Vignali compte bien tout donner sur le plateau de tournage pour faire taire les critiques. C'est la raison pour laquelle il faut que je sois excellente dans ce rôle, a-t-elle rappelé, avant d'évoquer les raisons qui ont poussé son mari à la choisir pour ce nouveau projet. Cad et Olivier ont pensé à moi parce qu'ils me voient tous les matins à l'antenne et prendre le rôle qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire présentatrice télé. Très logiquement, ils ont pensé à moi. Mais, en vrai, c'est un clin d'œil, j'ai une journée de tournage, a-t-elle confié, précisant que le tournage était prévu pour le 5 avril. Supérieur à supérieur à photo, découvrez les 10 essentielles beauté et bien-être de Julia Vignali. J'ai un rôle qui aurait pu être donné à une autre comédienne même si elle semble avoir confiance en elle, Julia Vignali a assumé qu'elle subissait une légère pression à cause de son statut. L'actrice a notamment révélé qu'elle était anxieuse d'interpréter un rôle qui aurait pu être donné à une autre comédienne si, son, mari n'était pas Cadmerade. Je me dis que non seulement je dois être bonne, mais surtout très bonne, a-t-elle conclu. Alors, oui, la présentatrice de télévision sera certainement attendue au tournant par de nombreux observateurs, mais elle a toute l'expérience nécessaire pour s'illustrer dans un rôle qu'elle ne connaît que trop bien. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, RTL.